présente nos deux conférencières qui vont parler du trouble lié à l'utilisation de substances et traumatismes crânio-cérébral, stratégie d'intervention. D'abord, on a Nadia L'Espérance qui est avec nous. Merci Nadia d'être présente, qui est chercheure en établissement au CIUS de la Mauricie-Centre du Québec et professeure associée au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche portent sur l'amélioration des services auprès des clientèles qui présentent une dépendance, les jeunes, les adultes, les personnes qui ont des traumatismes crânio-cérébraux, les personnes judiciarisées, les personnes en situation de rupture sociale. Ensuite, nous avons Guylaine Bellemare. Bienvenue, Guylaine, qui est agente de relations humaines au service de réadaptation en dépendance du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec depuis plus de 15 ans. Elle œuvre plus spécifiquement auprès des adultes et des parents qui ont une dépendance et différents problèmes associés. Bon webinaire à tous, et je vous laisse la parole, Nadia et Guylaine. Merci Nadine. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très contentes d'avoir l'occasion de vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, je pense que je dois d'abord faire des remerciements au service de réadaptation en dépendance du CIUS Mauricie-Centre du Québec pour avoir contribué à ce projet et l'Institut universitaire sur les dépendances pour un soutien financier qui est possible pour les chercheurs. Donc, le plan de la présentation, il va avoir un premier bloc un peu plus théorique où je vais vous présenter la mise en contexte, l'objectif, la méthode et les résultats du projet. Et la deuxième partie sera présentée par Guylaine, entre autres par l'entremise d'une situation clinique qui permet de mieux incarner comment ce projet-là, en fait, comment les stratégies dont on va discuter dans le cadre de ce projet-là peuvent s'intégrer dans une trajectoire de service. Évidemment, il y aura conclusion et moment de discussion avec vous. Alors, d'abord, la mise en contexte. Ce projet-là est né d'une préoccupation qui a été manifestée par les services de réadaptation en dépendance du CIUS Mauricie-Centre du Québec. Ils avaient une préoccupation pour la présence des TCC, la présence des déficits cognitifs qui peuvent leur être associés ou non, et ils avaient une préoccupation sur les stratégies qui peuvent être utilisées pour adapter le plan d'intervention de ces personnes-là. Donc, pour répondre à ces préoccupations-là, on a fait une exploration de la littérature, plus spécifiquement sur ce qu'on connaît de la consommation et le TCC, la consommation et le déficit cognitif et les stratégies d'intervention suggérées. Donc, on a vraiment pointé sur les stratégies là, qu'on peut utiliser dans ces situations-là. Et de là, on a mis en place un projet pilote. Alors, brièvement, là, ce que l'on sait du TCC, c'est que ça peut entraîner différents problèmes selon la gravité et la zone du cerveau qui est atteinte. On parle de problèmes, par exemple, au niveau physique, cognitif, affectif. On peut aussi observer des troubles graves du comportement. Ceci dit, les désordres cognitifs et comportementaux sont les plus fréquemment rencontrés et ceux qui ont le plus d'impact sur la réadaptation des patients. Quand on s'intéresse à la consommation, bien, la consommation aussi peut entraîner des déficits cognitifs, tout comme le traumatisme crânien. Par exemple, les personnes qui vont être dépendantes à l'alcool au long cours, on peut observer des difficultés au niveau de la mémoire, de l'autorégulation, dans l'habileté à planifier, à résoudre des problèmes ou anticiper des conséquences. Les personnes qui consomment de la drogue, plus particulièrement la cocaïne, la méthamphétamine ou le cannabis, on observe chez ces personnes-là des difficultés au niveau de la mémoire, de la capacité d'attention, de la prise de décision, d'inhibition et de la planification. Finalement, les déficits cognitifs qui soient induits par la consommation ou le TCC seraient associés à une moins grande persistance en traitement, à une plus faible présence aux rencontres, à des impacts négatifs sur le processus et les mécanismes de changement, comme par exemple la motivation au changement, le sentiment d'auto-efficacité, la prise de conscience et la reconnaissance des problèmes et l'acquisition d'habiletés. On observe aussi chez ces personnes-là qui font l'objet d'un plus grand nombre de réorientations à la suite d'un manque de respect des règles lorsqu'ils sont en milieu de vie, traitement résidentiel par exemple.
Quand on essaie d'établir une prévalence chez ces personnes-là, on voit que les chiffres sont quand même assez larges. Mais essentiellement, ce qui ressort, c'est que dans la population clinique des personnes qui ont un trouble lié aux substances, on aurait de 38 à 68 % de ces personnes-là qui ont des antécédents de TCC. Quand on s'intéresse à la population clinique de personnes qui ont un TCC, 44 à 79 % de ces personnes-là auraient des antécédents de troubles liés à l'alcool et 21 à 40 à 40 % de ces personnes-là auraient des antécédents de troubles liés aux drogues. Plus récemment, une étude s'est intéressée aux personnes qui sont dans un traitement intégré pour troubles concomitants, troubles mentaux concomitants aux troubles liés à l'utilisation de substances et 80 % de ces personnes-là auraient des antécédents de TCC. Je me permets ici une petite parenthèse. Comme vous le savez, la présentation d'aujourd'hui et le projet s'intéressaient spécifiquement aux stratégies d'intervention. Toutefois, je trouve important de vous parler de deux ouvrages québécois, francophones, qui permettent d'aborder la question du dépistage, des modèles d'intervention, l'organisation des services et des guides de pratique spécifiquement aux personnes qui ont un traumatisme crânien et un problème de consommation. Il y a le premier ouvrage de Juni et ses collègues, qui est une ethnie qui est à venir, cible davantage l'intégration sociale de ces personnes-là. Et l'ouvrage de l'espérance Ménard était un petit peu plus large, là, c'était plus un état de connaissance, là, sur ce qu'on connaît, de la relation entre, TCC, consommation et les recommandations qui peuvent être dégagées. Bref, la complémentarité de ces deux ouvrages-là vous permet d'avoir un regard sur ces différents aspects-là. Et je trouve important de pouvoir vous le nommer aujourd'hui. Et ces deux ouvrages-là ont aussi des références vers d'autres ouvrages tout aussi pertinents. Donc, si on en revient à l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, le projet pilote dont il est question, il est fondé sur des recommandations qu'on a vues à travers différents guides de pratique ou différents travaux et qui orientent sur l'importance de connaître la présence ou les antécédents de TCC chez les personnes qui sont en traitement pour une dépendance, de connaître la présence de déficit cognitif et de connaître la consommation de substances chez les personnes qui ont subi un TCC ou qui sont en traitement pour un TCC. Donc, quand on a le portrait un peu plus complet, ça permet l'adaptation du plan d'intervention et les différentes approches qu'on peut mettre en place pour ces personnes-là. Donc, quand on regarde les différentes stratégies d'adaptation qui permettent, les différentes stratégies d'intervention qui permettent d'adapter les interventions, il y a quelques ouvrages qui ont fourni des recensions, les recensions des écrits qui nous permettent d'avoir un portrait de ce qui peut se faire. Et on a, par exemple, un exemple ici de stratégies qui peuvent s'appliquer autant en groupe qu'en individuel. La liste est évidemment beaucoup plus longue que ça, mais je vous donne quelques exemples. Par exemple, minimiser le bruit ou les distractions visuelles. Par exemple, de résumer la session précédente en début de session et revoir d'où la personne, qu'est-ce qu'elle a retenu à la dernière rencontre et repartir d'où on est rendu aujourd'hui. Par exemple, d'accorder de courtes pauses, donc respecter la capacité de la personne dans la durée d'une rencontre. Ça, c'est quelques exemples. Une autre équipe de travail, WAD et ses collègues, eux aussi ont répertorié différentes stratégies d'intervention. Toutefois, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé les différents déficits, nommé les difficultés qui peuvent être observées et identifier les stratégies d'intervention qui peuvent être utilisées. Encore là, eux aussi, la liste est beaucoup plus longue que ce que je vous présente là, mais si je vous donne deux ou trois exemples, par exemple, si vous êtes devant une personne qui a un déficit d'attention, concentration et vitesse de traitement d'information, vous devriez observer une personne qui a la difficulté à rester concentrée et à garder son attention. C'est une personne qui devrait être facilement distraite. Les stratégies d'intervention possibles seraient de réduire le bruit au minimum, d'éliminer les distractions, d'allouer plus de temps que d'habitude pour le traitement de l'information. Par exemple, que vous seriez devant une personne qui a des difficultés de planification et d'organisation,
vous pourriez être devant une personne qui a de la difficulté à considérer les conséquences de ses actes ou encore de suivre les étapes d'une tâche. Donc, les stratégies qui pourraient être utilisées, fournir une structure, une liste des étapes à franchir et d'encourager la personne à respecter cet ordre-là et de terminer ce qu'elle a commencé. Donc, c'est quelques exemples. Ces auteurs-là en donnent beaucoup plus que ce que je vous présente là aujourd'hui. Mais le point à retenir, c'est qu'on s'est basé sur ces travaux-là, entre autres, pour avoir différentes stratégies en main pour adapter le plan d'intervention. Et évidemment, au-delà de ce que la littérature nous dit, ben, il y a aussi l'offre de service, il y a toute la programmation des services de réadaptation en dépendance qui vise, entre autres, de favoriser la motivation au changement des habitudes de consommation, de soutenir la modification des habitudes de consommation et d'améliorer d'autres sphères de la vie de ces personnes-là, autant au niveau de la santé physique, psychologique, que de leur fonctionnement au quotidien. Donc, l'ensemble de tout ça, donc l'offre de services, les différentes stratégies qui ont été répertoriées, nous ont conduit à mettre en place un projet pilote du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020. Projet pilote auquel 7 intervenants, 6 femmes, un homme, se sont portés volontaires. Et dans le cadre de ce projet pilote-là, l'objectif, c'était de documenter la présence et les antécédents de TCC et de déficit cognitif. Donc, on a utilisé deux outils, l'Ohio State University Traumatic Brain Injury et le Montréal Cognitive Assessment. Donc, on documentait ces deux conditions-là et au terme de l'exercice, en plus de l'évaluation complète qui est habituellement réalisée dans les services, d'adapter le plan d'intervention lorsque requis. Donc, au terme du projet pilote, 25 usagers ont été sollicités, 19 ont accepté de compléter les questionnaires et ont entamé un épisode de service. On parle de 14 hommes, 5 femmes âgées entre 27 et 73 ans, dont leur occupation est de travailler à temps plein pour 7 personnes, à la maison pour 3 personnes, d'être sans emploi pour 2 personnes, à la retraite pour une personne et en congé de maladie pour une personne. Les substances principalement consommées sont l'alcool, le cannabis et la cocaïne. Globalement, ce qui ressort, c'est que de ces 19 personnes-là, 15 de ces personnes-là ont des antécédents de TCC, 8 de ces 15 personnes-là présentent des déficits cognitifs et une personne sur l'ensemble des 19 personnes présente des déficits cognitifs sans antécédents de TCC. Donc, ce que l'on retient, c'est qu'on est devant une proportion importante de personnes qui ont des antécédents de TCC. On reconnaît qu'on est devant un petit échantillon de volontaires, mais on se retrouve avec presque 79 % qui est assez proche de, qui est assez comparable de ce que l'on retrouve dans la littérature. Il y a plus de la moitié de ces personnes-là, 53 % qui ont des déficits cognitifs. Évidemment, ici, on ne peut pas faire de lien de cause à effet, mais ça donne un peu le portrait quand on considère que les TCC entraînent souvent des déficits cognitifs. On peut penser que dans cette proportion-là, il y en a certainement qui sont associés à ce déficit cognitif-là. Ou encore, on peut tout simplement aborder les deux conditions indépendamment. On peut regarder la proportion importante de personnes qui sont dans nos services et qui ont des antécédents de TCC et la proportion non négligeable de personnes qui sont dans nos services et qui présentent des déficits cognitifs. Lorsqu'on questionne les intervenants qui ont utilisé à la fois les outils de dépistage et les stratégies, ce qui est surtout rapporté ici, c'est leur point de vue sur l'utilisation des outils. Ce qu'on nous rapporte, c'est que la plupart des usagers se sont montrés ouverts à expérimenter ces outils-là. Pour plusieurs, ils étaient curieux d'avoir une meilleure idée de leurs difficultés de mémoire ou de concentration que eux autres-mêmes soupçonnaient. Donc, c'était une opportunité d'aller confirmer ce qu'ils observaient d'eux-mêmes. Pour d'autres, ben, on a plutôt observé une importante inquiétude là, chez ces personnes-là à dévoiler une partie d'eux-mêmes, et ça fait partie des personnes qui ont refusé de participer au projet. L'hypothèse qu'on a, c'est que ces personnes-là ont plutôt que de voir le bénéfice qu'ils auraient pu en retirer en adaptant le plan d'intervention, on croit qu'ils ont plutôt vu le risque que ça puisse leur nuire dans d'autres démarches.
parce qu'on le sait, dans le secteur de la dépendance, les gens arrivent parfois avec d'autres problèmes associés, que ce soit des problèmes judiciaires, qu'ils soient en suivi au centre jeunesse, et ils ont déjà beaucoup de difficultés, et de mettre celui-là on the spot, ça leur tente pas nécessairement. Ensuite, bien évidemment, les intervenants reconnaissent la valeur ajoutée de cet outil-là, de ces outils-là. Le MoCA plus particulièrement parce qu'il permet de confirmer ou non la présence des déficits cognitifs, une condition qui est assez souvent rencontrée chez la clientèle en dépendance. Ceci dit, malgré le consentement des usagers, il reste quand même un malaise là, qui est rapporté par certaines personnes parce que d'avoir à identifier un déficit cognitif, c'est toujours délicat, il y a toujours une inquiétude d'offusquer la personne ou de lui donner l'impression qu'on est en train de l'infantiliser parce qu'on veut adapter les pratiques. Ceci dit, ce qui a été constaté, c'est qu'au terme de l'exercice, c'est que ce soit avec ou sans déficit cognitif confirmé, les intervenants utilisent différentes stratégies pour favoriser la présence au rendez-vous ou permettent soit l'engagement des personnes en traitement ou s'assurer que les objectifs soient atteignables et différentes stratégies sont utilisées là, pour soutenir l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, les retombées de ce projet-là, depuis la dernière année, je dis depuis la dernière année parce que si vous vous souvenez bien, le projet a eu lieu entre octobre 2019 et mars 2020. Et donc, en mars 2020, COVID-19 a décidé qu'on ferait autre chose pendant quelque temps. Donc, évidemment, ça a entraîné un impact important sur la poursuite du projet parce que les activités de recherche ont été arrêtées et plusieurs intervenants, dont certains qui étaient dans ce projet-ci, ont été réaffectés. Donc, la présentation d'aujourd'hui devait avoir lieu l'année dernière. Donc, ça, on a dû réaménager certaines choses. Et là où on en est aujourd'hui, c'est que par rapport à l'utilisation des outils en vue de faire un dépistage systématique, on est présentement dans la poursuite de la réflexion à ce sujet-là. Ceci dit, au-delà du projet, c'est important de nommer que cliniquement, il s'est fait des choses et il se fait encore des choses. Dans l'évaluation, dans tout le processus d'évaluation, on aborde la question du TCC est abordée à une ou deux reprises dans le processus d'évaluation en dépendance. Toutefois, dans la dernière année, il y a eu une bonification de la demande de services sur plusieurs aspects, dont l'ajout de questions sur le fonctionnement des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. Et ça, c'est une bonne façon. Quand la personne n'est pas en mesure de nécessairement bien identifier si ce qu'elle a vécu, si c'est vraiment un TCC, parce qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas tout à fait certains. Donc, quand on a plus de détails sur leur façon de fonctionner au quotidien, ça donne déjà plusieurs autres indications, que ce soit en lien avec un traumatisme crânien ou d'autres conséquences qui pourraient avoir entraîné un déficit cognitif. Et ce qui est revenu dans la dernière année, le retour, je vais le dire comme ça, le retour d'une intervenante ressource dédiée à la clientèle présentant des signes de déficit cognitif. En fait, c'est qu'il y a une personne qui a été nommée dans la dernière année plus spécifiquement pour cette clientèle-là. Ce qui fait que je vais passer le micro à ma collègue Guylaine dans les prochains instants pour qu'elle puisse vous parler de comment une trajectoire de service, la trajectoire de service habituelle qu'on a devant nous en dépendance, qui est par exemple de faire une demande de service ou d'être référé, de se présenter dans les services sous une référence, de traverser les évaluations MIDEP, IGT, de rédiger un plan d'intervention, au besoin d'ajouter par exemple, des collaborations, différents partenaires et l'implication des membres de l'entourage et la révision du plan d'intervention de 90 jours. Ça, c'est la trajectoire habituelle. Guylaine va nous présenter une situation clinique qui nous fait la démonstration que les personnes qui ont un TCC et des déficits cognitifs et un problème de consommation, ça nécessite beaucoup d'ajustements de cette trajectoire-là et que les différentes stratégies d'intervention qu'on a discutées tout à l'heure, beaucoup doivent être utilisées à différents moments et tout au long de l'intervention. Donc,
Pour incarner un peu le tout, je vais passer la parole à Guylaine. Merci Nadia. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je prends le relais et je vais vous parler d'une situation clinique. Donc, Julie, 36 ans, maman de deux jeunes enfants, secrétaire de formation, toujours travaillé temps plein, mariée avec le papa des enfants. Donc, en 2018, elle est victime d'un accident de voiture et elle est hospitalisée 6 mois, dont 3 mois dans le coma. Donc, elle a subi d'importantes conséquences de l'accident, dont un TCC sévère. Suivant ça, à sa sortie de l'hôpital, elle est allée s'installer chez sa mère avec des contraintes sévères. Par exemple, elle ne peut plus cuisiner seule parce que c'est dangereux. Évidemment, pas conduire de véhicule à moteur, puis je pourrais vous dire aussi de bicyclette. Elle ne peut pas sortir toute seule plus loin que le terrain de la maison parce qu'elle pourrait se perdre, mais c'est dangereux à cause des déséquilibres physiques. Elle ne peut pas être seule avec ses enfants. La gestion de la médication paperasse finance par sa mère. Elle est impulsive, elle fait des crises de colère, surtout lorsqu'il est question de réduire sa consommation de cannabis. De façon générale, en entrevue, elle est distraite, elle a des difficultés de compréhension, de mémoire, puis les limitations au niveau de la lecture, écriture, ben, c'est énorme. Pas très long, on va changer. OK, d'accord. Dans ce cas-ci, dans la situation de Julie, j'ai voulu faire un IGT, c'était impossible. Donc, ce que j'ai. D'abord, quand j'ai lu la demande de service, je comprenais bien qu'avec le TCC, qui était sévère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ce que j'ai pu lire comme document. Donc, j'avais eu accès avec l'autorisation pouvoir lire le plus de documents possible. Qui m'a fait avoir ma tête d'intervenante. Mais je n'ai pas fait d'IGP. Donc, après l'évaluation santé, j'ai fait ce qu'on appelle une mise à jour de l'évaluation psychosociale parce que je voulais que cet outil-là soit fait, que ce soit madame qui me le fasse. Et l'IGP, je n'aurais pas pu le faire avec Julie. Il aurait fallu que je le fasse avec un membre de l'entourage et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, j'ai fait la mise à jour de l'évaluation psychosociale. Je vous ai présenté dans la colonne seulement la section consommation. Donc, Madame consomme du cannabis en dose croissante depuis sa sortie de l'hôpital, donc depuis son accident. Avant ça, Madame a consommé du cannabis, mais c'était de façon occasionnelle, récréative. Donc, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle a commencé à consommer du cannabis. Elle s'est mise à se procurer du cannabis par le biais de voisins. Donc, sa mère avait décidé de se procurer le cannabis à la SQDC, pour minimiser les risques de sa fille parce qu'elle s'en procurait un petit peu partout. Parce qu'avant qu'on mette les services en place, puis qu'il y a un déploiement vraiment, elle se promenait, puis c'est ça, elle était très vulnérable, donc elle allait chercher son cannabis, puis elle était évidemment la cible et la proie de gens là, qui pouvaient vouloir abuser d'elle. Donc, Julie, avant que j'arrive, dans le fond, elle ne se contente pas des quantités que sa mère lui offre par la SQDC, puis elle continue d'obtenir du cannabis de la part de voisins. Donc, elle pouvait consommer 1 once de cannabis par semaine. Donc, 1 once, c'est à peu près 25 grammes. 1 gramme, c'est 3 joints. Faites le calcul rapide, ça faisait 10 joints par jour. Et elle a des dettes de drogue éparpillées. Donc, pas, elle n'avait pas un pocheur, elle avait plusieurs dettes de drogue. Donc, et on a une demande de service, donc elle nous est référée, c'est pas elle qui fait la demande parce qu'elle n'est pas consciente totalement à ce moment-là de sa problématique. Donc, il s'agit d'une première démarche en dépendance. Elle a été référée par la psychoéducatrice en déficience physique qui travaille auprès de la famille. Mais la mère de Julie, qui vit avec elle, demandait aussi du support. Est-ce que la voix est correcte, Nadine? C'est mieux? Oui, OK, parfait. Mes collègues entendent ma présentation, je suis très contente. C'est bon, ben c'est bon là, quand tu vis, okay, c'est plus fort encore, continue comme ça. Donc, il y a des démarches, moi quand j'arrive dans la vie, il y a des démarches juridiques qui sont en cours pour que sa mère devienne la tutrice légale, puis un conseil de famille là, ultérieurement qui est nommé. Suivant l'accident, dans le fond, il y a des procédures de divorce qui ont été entamées, là, le mari a demandé séparation, et il s'est mis à assumer la garde des enfants à temps plein.
À ce moment-là, madame a eu le droit à des contacts évidemment limités et en présence de sa mère, puisqu'elle ne pouvait pas protéger ses enfants et procurer une surveillance. Donc, il y a plusieurs rencontres là, qui ont eu lieu là, dans le cadre de cette situation-là pour adapter. Donc, on parle médecin, on parle enfance, famille, jeunesse, déficience physique. Il y a eu l'association des TCC, Répit pour la mère de Julie. Puis, je pourrais vous en nommer d'autres aussi, là, par exemple, le transport adapté pour sa condition. Donc, ça, c'est au niveau de l'organisation des services. Plan d'intervention. Ce qui est intéressant dans le plan d'intervention, c'est, moi, c'était important pour moi de le faire avec Julie dans les mots qu'elle voulait. Je voulais que ce soit clair, je voulais que ce soit facile, que ce soit convivial. Parce qu'il faut vous expliquer qu'au départ, moi, quand je suis arrivée dans la famille de Julie avec sa mère, Julie, elle n'était pas contente. Elle voulait que je sois dans sa vie. Elle savait que c'était correct, pas correct, mais moi, je suis arrivée Madame Drogue. Donc, Madame Drogue qui s'en venait lui couper un des seuls plaisirs qu'elle avait dans sa vie. Donc, au début, elle boudait quand j'arrivais. Généralement, elle était tournée. C'était très difficile de me voir, d'établir un contact. Donc, j'ai dû travailler fort. Le plan d'intervention ne s'est pas fait dans l'ordre habituel. C'est-à-dire que d'habitude, on fait l'évaluation santé, l'IGT. Donc, là, je l'ai remplacé par la mise à jour. Et normalement, après, on y va avec le plan d'intervention. Moi, entre la mise à jour et le plan d'intervention, il y a dû y avoir deux, trois rencontres où j'ai essayé de créer l'alliance thérapeutique, un lien quelconque avec madame, par différentes façons, pour en arriver à un plan d'intervention où, qui serait un plan d'intervention où je l'aurais comme usagère avec moi, qu'elle ferait partie intégrante du plan d'intervention, qu'on choisirait les mots ensemble et qu'elle le signe. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, ce qu'on a décidé, l'objectif numéro un, pour une période de 3 mois, diminuer la consommation de cannabis à raison d'un step par mois. Le mot step, elle y tenait. Puis moi, je trouvais ça bien correct. Pour elle, c'était pas des marches, c'était un step. Et là, on a créé un beau calendrier. Donc ça, c'est important dans les moyens. Elle voulait qu'il soit beau. Donc, on a choisi un beau calendrier avec de la couleur. On l'a mis à la vue. Donc, le premier mois, on tombait à 6 joints par jour. Le deuxième, 5 joints. Donc, chaque calendrier était installé dans sa chambre. Ils étaient beaux. Et c'est ça. Puis on limitait l'achat à la SQDC. Ça, c'est dans un autre des moyens. Et on avait, avec l'aide de ma mère, acheté la quantité de cannabis requise une fois semaine, c'était les lundis, puis divisé la consommation jour par jour. Un peu le principe des dosettes avec la médication. Puis on avait aussi à utiliser une grille. C'était une grille qui était déjà créée, c'est pas moi qui l'ai fait du tout. C'était une grille horaire de vie pour décortiquer les journées de madame. Et nous, on a intégré les moments précis de consommation. Parce qu'étant donné qu'elle ne se repère pas au niveau spatio-temporel, ben si ce n'est pas écrit, puis parce qu'elle a une horloge pour voir elle était où, ben, dans sa tête, elle peut consommer tout le temps. Donc ça, c'était une belle façon pour elle de voir, ah, OK, il est 1 h 30, oui, c'est mon moment de consommation. Donc là, elle pouvait consommer. Parce que, je vais revenir un peu, mais la maman, complètement essoufflée parce que sa fille était constamment en train de lui dire, c'est-tu mon moment pour mon joint, c'est-tu mon moment pour mon joint. Donc, c'était correct de mettre ça en place. Objectif numéro 2, pour chacun des 3 mois, identifier une récompense gratifiante. Donc, je vous disais, le calendrier était magnifique, très beau. Et à la fin, en bas, il y avait une récompense qu'elle devait se cibler pour chacun des calendriers. Donc, ça a été mis, puis nous, on a mis évidemment une image puis des seuils pour chacun, là, si c'était atteint. Puis on s'était dit qu'on avait le droit à une marge d'erreur, on s'était dit 75%. C'est pas marqué là, mais je trouvais que c'était malhonnête, là aussi, ou irréaliste, peut-être plus, là, comme mot, de s'attendre à du 100%, quand même. Donc, et le troisième objectif qui était d'identifier 3 alternatives à la consommation. Fait que je n'ai pas marqué des alternatives parce que c'est trop flou. Donc, 3. Fait qu'avec l'aide de sa mère, ils ont fait une liste d'idées. On avait vérifié ensuite ensemble la faisabilité d'entre elles parce qu'il y avait des idées que ça ne pouvait pas marcher. On voulait faire du rollerblade. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et on en a choisi 3. Par exemple, un, c'était les mandalas et les casse-têtes. Je vous donne 2 exemples. Et depuis ce temps-là, juste vous dire que des mandalas, c'est quelque chose qu'elle fait de façon régulière. Et ce qui est bien dans les mandalas, c'est qu'elle, ce qu'elle adore encore plus, c'est que lorsqu'elle a fini son mandala, par exemple,
il y a tout le temps une couleur qui ressort. Fait qu'elle, du coup, elle le fait. Puis moi, j'ai l'analyse des couleurs. Fait qu'on le met au loin. Puis elle me dit c'est quoi la couleur qui ressort le plus. Puis on s'amuse à dire ah, ton état d'esprit aujourd'hui, si c'est rouge, ça veut dire ça. Hey, ça pourrait être extraordinaire. Fait que c'est un nouveau moyen pour elle qui est motivant. Casse-tête, elle a moins aimé, mais c'est intéressant. Donc ça, on voit un plan d'intervention. Fait que vous voyez, c'est pas un plan d'intervention avec des mots compliqués, c'est du simple, c'est du concret. Donc, c'est pour 3 mois. Et c'est important aussi de dire, tu peux laisser là, Nadia, c'est correct. C'est important de, non, tu peux revenir à l'autre. C'est important de dire que madame l'a signé, je tenais à ce qu'elle le signe parce que, puis souvent aussi dans le plan d'intervention, puis ça fait partie, on voit dans la situation clinique, les défis de l'intervention, souvent les familles nous arrivent avec des besoins qui ne sont pas les besoins de la personne. Fait que moi, je voulais que ça parte vraiment, surtout dans les TCC, parce que les parents disent, ouais, dans le TCC, ça a été touché au niveau du lobe frontal. Ils disent ce qu'ils pensent, ils disent, ça n'a pas de bon sens, il ne faut plus qu'elle consomme. Oui, effectivement, mais la personne, elle veut consommer encore. Fait que c'est important que le plan d'intervention, ce soit de madame, avec, en écoutant l'entourage, évidemment, et que ce soit signé par madame. Fait que ça faisait du sens. Fait qu'elle est très contente de ça. Je vois le temps qui file. Je vais vous mettre un peu ensemble les défis de l'intervention, les stratégies, les méthodes d'entrevue adaptées. Bon, comme je vous disais, les défis de l'intervention, moi j'arrive dans cette famille-là, mon premier défi, c'est l'alliance thérapeutique. S'il n'y en a pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que la dame, comme je vous disais, je m'en viens lui couper un des seuls plaisirs qui lui reste dans la vie, la consommation. Puis on partait quand même d'un 11 par semaine, donc... Elle avait diminué un peu là, avant que j'arrive dans sa vie quand même. Là. Donc, c'était vraiment dans ces mouvements-là. Donc, l'alliance thérapeutique. Il faut arriver dans les défis que les besoins viennent vraiment de la personne. C'est vraiment important. On considère l'opinion des autres. Et un des défis, c'est ça, c'est que les membres de l'entourage, c'est pas pour mal faire, mais ils embarquent par-dessus souvent les personnes parce qu'ils ont tellement à dire, ils sont tellement souffrants, c'est tellement lourd et épuisant, puis ils veulent tellement enrayer le problème qu'on a tendance, nous, comme intervenants, à dire, ben oui, ça n'a pas du bon sens, et à laisser trop de place peut-être aux membres de l'entourage. Fait qu'un des défis, c'est rester concentré sur notre usager. La famille, le membre de l'entourage, souvent, qui fait partie de la situation, peut être référé aussi comme membre de l'entourage ici dans nos services. Donc, c'est une danse qu'on fait. C'est de consacrer du temps à la personne et aussi à la famille, mais en se rappelant qui est preneur d'abord du plan d'intervention. Ensuite de ça, donc, un des défis, c'est ça, c'est que les plans d'intervention doivent être simples, clairs, concrets. Moi, je dis toujours 2 ou 3 objectifs maximum et la signature, c'est très important. Moi, dans ce cas-ci, c'est un TCC sévère, donc ce que je valorise, moi, c'est mes rencontres, c'est qu'à domicile, dans ce cas-ci. Pourquoi? C'était plus facilitant pour les personnes, pour la famille. Donc, ce que je fais, c'est toujours les mercredis, par exemple, toujours à la même heure, et c'est de brefs rencontres. Donc, au lieu de faire des rencontres standards de 50 minutes, 1 heure, donc c'est des rencontres maximum de 30 minutes, où j'arrive au niveau du domicile. Si ce n'est pas possible au niveau du domicile, avant de débuter un suivi ou quoi que ce soit, c'est vraiment de s'assurer la question du transport. Parce que souvent, c'est problématique. Donc, si on veut que la personne soit là, bien, il faut faciliter tout ce qui est technique, je crois. Puis ça, il faut les aider parce que souvent, ils sont dépassés un peu par la situation. Les entrevues à privilégier, étape par étape. Moi, quand j'arrive, la première chose, tout le temps dans ma routine, je pose le plan d'intervention toujours à la vue pour qu'on le revoie. Et je commence, comme disait tantôt ma collègue Nadia, par un bilan de la rencontre d'avant. Toujours. Donc, pas trop long pour la perdre. Je peux lui demander si elle s'en rappelle. Moi, dans mon cas, souvent, elle ne s'en rappelle pas. Fait qu'on se fait un petit résumé de quelques mots que je lui ramène. Quand elle ne s'en rappelle pas, je lui dis, t'as rappelé, t'avais écrit ça. Des mots, pas des phrases. On part de là. Donc, ça, c'est vraiment important. Tout le long de l'entrevue, c'est toujours à la même place, la même table. On enlève toute distraction au côté parce que sinon, c'est sûr qu'elle est complètement distraite. Donc, l'endroit est calme. Toujours même heure, même endroit, plan d'intervention à la vue. Je suis toujours sensible aussi, je vérifie toujours dans quel état elle se trouve parce que des fois, elle est plus fatiguée. Ça m'est arrivé des fois d'arriver puis de repartir. Je ne la sentais pas là. Je me disais, ça sert à... Oups, excusez-moi, je vous ai perdu.
Ça ne sert absolument à rien que je continue. Elle n'était pas disponible. Ça arrive. On ne met pas de pression. Mais si la personne est là et est juste partie, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les bons mots avec ces personnes-là. Souvent, on a l'impression qu'il faut marcher sur des œufs, alors que ce n'est pas le cas. Il faut dire les vrais mots. La recentrer, dire « je te sens partie ailleurs, reviens à moi ». On utilise des bons mots. On parlait présentement du tableau. Est-ce que tu es avec moi, Julie, pour le tableau? Donc, ce n'est pas avoir peur non plus de nommer ses limites. Donc, est-ce que tu es fatigué présentement? Est-ce que tu es épuisé? Donc, on n'a pas peur. Évidemment, il faut y aller avec un rythme qui est lent. Souvent, on a envie d'aller plus vite, mais avec les personnes avec un TCC et avec de la consommation, bien, souvent, il faut y aller avec un rythme qui est un petit peu plus lent. Donc, on répète, on fait des retours, des rétroactions immédiates. Donc, surtout quand il y a des bons coups, c'est tout de suite faire des rétroactions rapidement. Et surtout, y aller sur du concret. Donc, je vous donne un exemple. Des objets que je peux utiliser, c'est étant donné, par exemple, que dans le cas de Julie, Julie ne pourra jamais avoir, par exemple, si elle s'en va dans les meetings, elle ne pourra pas avoir son jeton présentement, si c'est au niveau des AA ou son porte-clés au niveau des NA, puisqu'elle n'est pas abstinente et ne viserait pas ça. Elle, ce n'est pas ça son intention. Donc, moi, ce que je fais, étant donné les efforts qu'elle fait, on peut utiliser des objets. Donc, ici, on a un porte-clés qui représente le porte-clés des NA, mais c'est un porte-clés symbolique, thérapeutique entre elle et moi. Donc, si elle a atteint son objectif, elle est au courant qu'il y avait des porte-clés qui se donnaient dans les NA. Donc, on peut l'utiliser comme objet ou une roche avec un mot qui représente un jeton, par exemple. Donc, moi, c'était une source de motivation pour Julie de savoir que quand elle aurait atteint certains de ses steps, elle avait le droit à un objet rappel. Pour elle, c'était avec beaucoup de sens. J'ai utilisé des allégories, j'ai utilisé, et par exemple, ça, c'est un objet qu'on a utilisé. Il y a une histoire qui vient en lien avec ça. Et elle a adoré l'histoire. Donc, je lui ai remis une petite carte plastifiée qu'elle met dans son portefeuille. C'est un lien entre elle et moi. Fait que c'est comme une carte de guichet, mais ça fait du sens pour elle. Elle comprend ce que ça veut dire. Elle est au courant aussi qu'à la fin du traitement, par exemple, puis elle a hâte parce que déjà son cadre est acheté. Et si elle a atteint ses objectifs, elle va avoir un certificat. Bien, pour elle, ça fait du sens. Les fois où elle est sur le bord de que ça n'étend plus, bien, elle me dit, il me reste combien de temps d'acheter mon certificat? Donc, pour elle, ça, c'est une source de motivation. Fait qu'à chaque fois que j'arrive, elle regarde toujours dans ma petite mallette, qu'est-ce que j'arrive avec un nouvel objet, une nouvelle affaire, puis c'est ça qu'elle retient tout le temps. Fait que quand on fait un retour, elle me dit des fois, ben, tu sais, là, ton histoire de bambou, là, ben, OK, le bambou, c'est sur le changement. Fait qu'elle a retenu, fait qu'une partie, puis ça peut prendre des fois 7-8 rencontres avant qu'elle en vienne à faire vraiment plus de liens sur l'histoire du bambou, par exemple, mais à un moment donné, ça fait du sens. Fait que c'est d'y aller lentement, de recentrer souvent, recadrer, nommer les mêmes mots, y aller tout en douceur, leur faire sentir qu'ils ont toute la place lors de cette entrevue-là et pas avoir peur de dire, d'appeler un chat, c'est-à-dire que si elle est distraite, t'es distraite, Julie, présentement, reviens à moi, je te sens plus fatiguée aujourd'hui, parce que souvent, on a tendance à les ménager parce qu'on sait la vie qu'il y avait avant, puis là, dans la situation dans laquelle ils sont. Non, il faut nommer, puis c'est réconfortant et rassurant même pour eux, je dirais, à la limite. Et à la fin de chaque rencontre, puis je vais terminer là-dessus, moins tard, à la fin de chaque rencontre, je fais toujours un petit bilan. On nomme toujours, nous autres, notre stratégie, par exemple, dans le cas de Julie, trois mots qu'elle a retenus. Trois mots, c'est tout. On le met dans le petit cahier parce qu'elle a une boîte. C'est une boîte de rencontre. Elle arrive à chaque fois avec sa boîte de rencontre. Tous les outils sont dedans, puis moi, j'ai le plan d'intervention pour le staff. C'est notre stratégie. Fait que, les trois mots, elle les met dans son petit livre. Fait que la rencontre suivante, quand je lui dis « qu'est-ce que tu te rappelles? » Mais là, des fois, elle ne s'en rappelle pas. Elle regarde ses trois mots. Des fois, ça ne lui dit plus rien. C'est pas grave. Moi, je m'en rappelle pour nous deux. Fait que je lui dis toujours « pas grave, pose-toi sur moi. Moi, je vais t'aider. » Fait que, puis, on utilise aussi beaucoup l'humour. Fait que voilà, je pense que j'ai parlé vite. J'espère que je ne vous ai pas étourdi. Fait que voilà, pour ma part, ça complète. Parfait. Merci. Merci, Guylaine. En fait, on revient peut-être encore une à deux minutes et on va pouvoir passer à... C'est ça, ça sera pas très long. C'était seulement pour conclure, dans le fond. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Dans le fond, c'est toute l'importance de l'adaptation de la trajectoire de service habituelle pour des situations comme celle-là. Je pense que j'ai pas besoin de nommer, là, mais vous voyez toutes les...
toutes les combinaisons que Guylaine peut utiliser pour ajuster à la fois la modalité d'intervention, les stratégies d'intervention et l'implication des membres de l'entourage. On en a un petit peu moins parlé. On est plus resté centré sur les stratégies d'intervention parce que c'était ça le but. Mais je crois que vous avez remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de personnes impliquées dans la situation de Julie, plusieurs partenaires cliniques et d'autres organisations dans la communauté. Donc, je sais que la dernière phrase que je dis peut avoir l'air, ça a l'air de ce que ça a l'air ou peut-être une évidence, là, mais je pense qu'il faut se souvenir qu'il ne faut pas rester seul dans ces situations-là, hein, parce que Julie est arrivée dans les services parce que quelqu'un l'a référé, l'a accompagné et que tout le monde ensemble a aussi mis un filet de sécurité aussi autour d'elle et qui a permis à sa mère d'avoir aussi du soutien en cours de route. Donc, un élément important à retenir, je pense, et en lien avec ça, je voulais profiter de l'occasion pour vous parler. Ça prend une petite seconde, ça ne tourne pas. Voilà, donc je voulais profiter de l'occasion pour vous parler d'une communauté de pratique virtuelle sur les lésions cérébrales, les troubles cognitifs et la consommation de substances. Je viens de vous dire que c'est important de ne pas être seul, mais si certains d'entre vous souhaiteriez avoir un lieu d'échange où il est possible de discuter de ces situations-là, de vous créer un réseau de collaborateurs et bien plus encore, je trouvais important de vous informer qu'il y aura une première activité d'échange professionnel le 8 juin prochain, entre midi et 13 h. Donc, si certaines personnes étaient intéressées à se joindre à cette communauté-là et élargir les horizons sur le sujet, vous pouvez communiquer avec Geneviève Thibault, qui est du SQE-TGC. Donc, l'adresse est devant vous. Peut-être autre petit point à dire sur ce sujet-là, c'est qu'il s'agit de la première activité d'échange professionnel, mais il y en a d'autres qui sont en préparation. Donc, Geneviève pourra certainement vous donner plus d'informations sur ce sujet-là. Et finalement, j'ai été informée récemment d'une formation qui était en ligne par l'entremise de formation Innovation. Donc, pour les personnes qui souhaiterait avoir une formation de quelques heures accréditée. Je vous laisse ce lien pour que vous puissiez aller voir si ça peut répondre à vos besoins. Donc, une formation sur l'intervention auprès des personnes qui ont subi un TCC par Madame Anouchka Hanelin. Donc, je voulais terminer sur ces deux sources de référence-là. Et je vais repasser le micro à Nadine qui va gérer les questions et tout ça. Mais avant, tu sais, je veux juste vous dire que là, nous, on parle et on vous voit pas, donc on n'a pas vos réactions. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. On aimerait quand même avoir vos réactions, ne serait-ce que de savoir est-ce que le projet ou la situation clinique, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans et est-ce que ça fait du sens pour vous. Donc voilà, Nadine, je te passe le micro pour gérer le reste. Merci pour votre vraiment magnifique présentation, très, très intéressante et qui est un bel exemple de l'intégration des connaissances théoriques à la pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que dans le chat, il y en a Marise qui dit vraiment très intéressant. Vous pouvez demander un tour de parole aussi, là, je veux vous le rappeler si. Vous voulez vous adresser directement à nos conférencières. Sinon, en attendant que certaines personnes se déjeunent et décident de vous poser des questions, on a Maryse Quirion qui dit merci. Moi, j'ai envie de vous demander, on a parlé des défis pour l'intervention, mais ça serait quoi le plus grand défi ou les plus grands défis comme intervenant auprès de cette personne-là? Parce que c'est quand même pas si facile. Il y a beaucoup de stratégies intéressantes, mais ça semble pas si simple que ça, avoir la personne devant nous. Alors, peut-être, Guylaine, tu pourrais nous parler de qu'est-ce que tu dirais qui est les plus grands défis comme intervenant? Bien, le plus grand défi, au départ, c'est vraiment de créer l'alliance thérapeutique. C'est OK. vraiment ça parce que les personnes, souvent au départ, ce n'est pas de eux-mêmes que la demande elle vient. Puis, ils ne voient pas tant de problèmes que ça. C'est plus les membres de l'entourage, c'est plus les professionnels qui gravitent, qui font la demande de service, la référence vers nous, parce que eux ont les dommages collatéraux, puis voient les. Ouais, je dirais le principal, c'est vraiment ça. Parce qu'après ça se fait tout en douceur. C'est ça, des défis tout le long.
Mais le premier gros défi, c'est C'est ça. l'alliance thérapeutique. C'est Au créer le départ, lien, l'engagement pour oui. donner le goût à la personne de venir, puis donner le goût d'embarquer dans cette folie-là un peu. C'est ça? Exactement. Une fois que c'est fait, le reste, je pense, ça peut se faire graduellement, lentement, mais c'est la première démarche la plus importante. C'est bien, merci. On a Maryse d'École de la rue de Vito qui demande, c'est quoi le pourcentage des personnes en traitement en dépendance qui ont un diagnostic de TCC? Je ne sais pas si Nadia est capable de nous répondre. En fait, on n'a pas ce que j'ai donné au début, la prévalence, là, on n'a pas de chiffre exact, mais on sait que pour les personnes pour les personnes qui sont en CRD, là, disons ça comme ça, la population clinique dont je parlais tout à l'heure, ça varie là, entre 38 et 60 quelques pourcents. C'est ce que je disais un petit peu au début. Donc, c'est un range qui est vraiment très large. Puis qu'est-ce qui fait que c'est aussi large que ça? C'est que chaque étude a abordé la question un peu différemment. C'est toujours des enjeux méthodologiques. Est-ce qu'on s'est intéressé juste à l'alcool, juste aux drogues? Est-ce qu'on a combiné les deux? Parfois, on pose la question pour les deux. Donc, il y a une marge quand même assez large. Donc, présentement, ce sont les chiffres que nous avons pour identifier la proportion de personnes qui ont des antécédents de TCC. Ceci dit, vous avez nommé le diagnostic de TCC. Et là, ça, je vous dirais, Et autre chose. j'arriverai pas à répondre à ça parce que les études qu'on a, c'est souvent les gens ont été questionnés sur leurs antécédents. C'est pas nécessairement, ils sont pas nécessairement arrivés dans le service parce qu'ils avaient reçu, t'sais, avec un diagnostic formel, qu'ils ont passé à l'hôpital, puis qu'ils ont été vus par un médecin. Donc, là, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais il y a la notion des antécédents que les gens nous rapportent, puis il y a le diagnostic formel reçu à l'hôpital, et celui-là, dans la population en dépendance, moi, je n'ai pas l'information. Okay. Puis en lien avec ça, justement, parce que bon, pour une portion des personnes, c'est d'une évidence. On n'aurait pas de diagnostic, le papier est formel, puis c'est d'une évidence qu'ils ont un TCC. Mais pour d'autres, ce n'est pas si évident, surtout quand on est dans les antécédents. Dans quelle mesure, vous pensez que ce serait important de questionner ou de repérer systématiquement, quelqu'un quand il vient faire l'évaluation en dépendance? Ou d'autres évaluations de première ligne, par exemple. Je peux commencer, Guylaine, puis si tu veux, tu pourras rajouter, là, en fait, spontanément, ce qui me vient, c'est, ben, tu sais, là, on sait, là, on parle du TCC, mais on sait, par exemple, que le déficit cognitif, lui, est très associé, c'est également associé à la consommation, la proportion de TCC est élevée chez les personnes qui consomment. Est-ce qu'ils ont un rythme de vie qui contribue ou tu sais, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Ça serait difficile à dire. La question du systématique, du dépistage systématique, c'est toujours intéressant et ça permet toujours de bonifier le plan d'intervention ou l'organisation des services autour de ces personnes-là. Le défi qu'on a en dépendance, c'est que la majeure est en dépendance et que là, on veut approfondir un sujet. Et là, c'est de voir à quel endroit, est-ce que c'est nécessairement au début le bon endroit, parce que les gens arrivent déjà, sont déjà très affectés par la consommation, ils ont déjà une évaluation assez complète d'en rajouter. Et là, dépendamment comment on veut documenter les antécédents de TCC, quand c'est au cours de la vie, des fois, ils ont de la difficulté à nous rappeler, à se rappeler de ce qu'ils ont consommé dans la dernière semaine ou le dernier mois. Donc, faire un historique de vie peut être un peu difficile. Donc, tu sais, il y a une réflexion qui est à faire. Est-ce qu'on veut documenter les antécédents de TCC dès le début ou on peut le faire plus tard quand on a des signes évidents? Ça serait à réfléchir. Ça serait à quoi t'as dit? Ce serait à réfléchir. À réfléchir, j'avais Dans... compris à risque, je comprenais pas. Non, ce serait. Ben, en fait, tu sais, ce serait à Oui. réfléchir parce que, tu sais, l'habituel, c'est de faire tout au début pour avoir un portrait plus complet. Des fois, au début, ça peut être plus difficile d'avoir un portrait plus juste en raison des impacts de la consommation. Encore là, il y a bien des façons de voir les choses. Si on aborde, par exemple, la question du déficit cognitif, des fois, ça peut être difficile
de répondre à ces questions-là en début, mais si on ajoutait une mesure en début et en fin de traitement, on pourrait voir si on pourrait peut-être voir s'il y a eu une amélioration entre le début et la fin du traitement, parce qu'on sait les personnes qui arrêtent de consommer. Les déficits cognitifs qui vont être associés à la consommation vont se résorber tranquillement. Parfois, ça peut prendre plus de temps que d'autres, mais de faire cette mesure-là entre le début et la fin aurait son avantage. Donc, bref, pour répondre à la question du systématique, il y a toujours des gains à faire à ça parce que plus on a un portrait complet de la personne, plus on peut orienter l'organisation des services en fonction de ça. Mais les enjeux de l'implantation des nouvelles pratiques, et ça nécessite quand même une période d'implantation, un engagement de la part à la fois des intervenants, de la chefferie. Donc là, on verse plus dans au-delà des bénéfices d'une implantation systématique de nouveaux outils. Il y a le défi de l'implantation qui doit aussi être considéré. Mais avoir un portrait complet de la personne, c'est évident que c'est toujours gagnant pour tout le monde. C'est bon, merci. On va aller aux autres questions. Je pense que pour chaque point, on pourrait en parler très longtemps. Merci beaucoup. Puis si jamais il n'y a pas d'autres questions, Guylaine, au pire, on reviendra si tu as autre chose à ajouter. Donc, on a Mélissa Guivry qui dit merci beaucoup. Je vais tenter d'être à l'affût de cette composante lors de mes évaluations en détention. Stéphane Picard, la communauté de pratique virtuelle sera pour notre organisme un outil précieux de référence. Merci. Chantal, merci, ça donne des petits trucs en intervention. Rosalie, super présentation, un mix parfait des connaissances et d'illustrations pratiques. Catherine Dugas, merci Nadia et Guylaine pour votre présentation. Je reconnais dans votre histoire de cas les besoins des usagers de mon service ici à Montréal, qui est le service de toxicomanie et médecine urbaine. C'est encourageant d'entendre la flexibilité et l'adaptation des services qui est possible dans le continuum de réadaptation en dépendance. Ensuite, Audrey Fournier, très intéressant, félicitations. Il manque effectivement de supervision et soutien clinique pour cette clientèle particulière. Maryse décolle donc les gens en suivi au CRD, on pourrait parler de 38 à 60 %. Est-ce que c'est bien ça, en lien avec la demande de départ? On ne t'entend pas, Nadia, ton micro est fermé. Oui, attends. Là, ça fait appel un peu à ma mémoire. Je suis désolée si je vous donne le vertige, mais si on revient à la diapositive, juste pour nous confirmer là, que je n'ai pas dit n'importe quoi. Ben, c'est exactement ça. Je n'étais pas pire dedans. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas pire. Donc, c'est bon. Ensuite, Émilie, question Rosalie. On comprend que dans le cadre du projet de recherche, l'organisation a créé un espace ou une certaine flexibilité pour faire place au projet. Selon vous, quel est le plus grand défi au niveau organisationnel qui pourrait être rencontré si on veut offrir implanter des services spécifiques à cette clientèle dans notre organisation? Je pense que ça croise un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, le défi organisationnel, c'est toujours comment on veut implanter des nouvelles pratiques et donc comment, en fait, comment on... En fait, oui, mon Dieu, je ne sais pas trop par quel bout le prendre, là, mais le défi, c'est à partir du moment où on veut implanter une nouvelle pratique. Là, nous, on l'a expérimenté ici dans le cadre d'un projet pilote, mais l'évaluation systématique de ces conditions-là ne l'est pas. Toutefois, la question du TCC est quand même abordée dans l'évaluation, là. Il y a quand même une question ou deux là, qui permet, sur cet aspect-là, d'avoir de l'information. Est-ce que tu pourrais me répéter la question, Nadine? C'est parce que comment l'organisation peut adapter ses services spécifiquement pour cette clientèle-là? Est-ce que ça demande, premièrement, une organisation spécifique de services ou c'est simplement une ouverture de faire différemment? Parce que ce que moi j'ai retenu de Guylaine, entre autres, c'est qu'avec cette clientèle-là, bien, la trajectoire habituelle n'est peut-être pas la bonne trajectoire. Donc, il faut avoir de l'ouverture pour, c'est ce que j'ai compris, là, peut-être que j'ai pas bien compris, mais il faut avoir une ouverture pour adapter à cette clientèle-là qui peut-être qu'elle, son chemin, va être différent d'un chemin qu'on prend habituellement. Oui, tout à fait. Je pense que là-dedans, la collaboration,
Non, vas-y, En fait, ce Guylaine. que je veux dire, c'est que c'est vraiment important là-dedans de savoir qui sont les différents partenaires qui font partie du suivi. Donc, allez, pour avoir comme une espèce de portrait pieuvre, moi, que je dis toujours, c'est qui les tentacules? C'est qui le médecin de famille? C'est qui est la responsable de l'association des PCC, par exemple, dans la région où la personne va faire du bénévolat? Qui est le conducteur du transport adapté? Qui est l'intervenant déficience intellectuelle? Donc, avoir, évidemment, dans le monde idéal, avoir les autorisations de communiquer des renseignements et prévoir des rencontres. Parce que moi, à travers les années où j'ai eu différentes personnes avec des TCC, des fois, si les gens travaillent en silo, ben là, l'information se transmet, puis pas toujours de la bonne façon. OK. Merci beaucoup. On a Karina ici qui dit ça doit être difficile d'essayer de responsabiliser ces personnes-là quand ils ont des difficultés de mémoire, concentration, planification. Comment est-ce qu'on peut les aider à s'engager et s'approprier le processus de ne pas trop les materner? Évidemment, ça doit être de collaborer avec une autre professionnelle, mais autre que ça. Exemple, rappeler leur rendez-vous doit être nécessaire. Fait que dans le fond, c'est comment les aider, les accompagner sans trop les materner pour leur offrir un service approprié, en fait, qui répond à leurs besoins. Ouais, mais tu sais, comme au début, on les materne, dans le sens que les rendez-vous. Bon, ben, avant le rendez-vous, la veille, la journée, on appelle, mais le temps qu'on mette en place une façon de faire. Fait qu'après ça, par exemple, la personne peut se faire un rappel dans son iPhone. Fait que quand ça sonne, comme moi, mettons, elle m'a représenté, je suis un kangourou. Fait que par exemple, quand l'alarme sonne, puis qu'il y a un kangourou, ah, oh, c'est la madame drogue qui s'en vient, c'est comme ça. Mais ça, c'est elle qui a réussi à mettre ça en place. Sa boîte avec ses outils. Au début, je lui disais, t'as oublié de mettre ta boîte. Fait qu'elle arrivait avec sa boîte, elle sortait son matériel. Maintenant, c'est implanté. Elle arrive, elle le sort. Elle sait ce qui est là. Mettre en place la consommation de cannabis. Au début, c'est pas évident, la famille aide beaucoup. Maintenant, c'est mis en place, elle sait, elle regarde l'heure, elle a sa façon. Ah oui, c'est l'heure de ma consommation. Ah non, je peux pas. Mais ça prend du temps. Ça prend, on parle pas de, ça prend du temps. Beaucoup de En temps. fait, c'est qu'on ne devrait pas utiliser le terme maternage parce que c'est un accompagnement. C'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement plus serré, qui peut s'apparenter à du maternage, mais en fait, c'est leurs besoins. C'est ça que j'entends. On veut les rendre autonomes, mais on a besoin de commencer peut-être des fois en faisant pour la personne, pour l'accompagner, qu'elle puisse réussir à le faire par elle-même, ultimement. Est-ce que c'est bien, ce que tu nous dis, Guylaine? Oui, exactement. La fameuse technique des PPP, les plus petits pas possibles. Donc, on C'est ça. avance petit à petit, mais c'est la meilleure façon pour nous, pour la famille, puis surtout pour la personne concernée. Ensuite, on a un merci très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, nous aurions terminé. Je voudrais Oui. peut-être une dernière petite affaire. À un Oui, moment donné, j'ai eu un vas-y. défi. J'ai retenu beaucoup de ça. Dans le fond, j'avais rencontré Julie toute seule. Puis, cette fois-là, sa mère n'était pas là. Parce qu'habituellement, quand on finissait, je m'assisais avec la mère pour faire un wrap-up aussi de la rencontre pour être sûre que tout était correct. Et lors d'une occasion, à un moment donné, la mère n'est pas là. C'est un autre membre de la famille qui est là. Donc, l'autre membre de la famille était là comme plus en surveillance. Donc, d'un point de vue clinique, on n'a pas fait de résumé. J'ai appris de ça parce que, dans le fond, Julie, après ça, est allée rapporter des propos de notre rencontre qui n'étaient pas. Elle a été dire que j'avais augmenté sa consommation de cannabis pour cette fin de semaine-là. Donc, à sa mère, évidemment, sa mère m'a appelée. Fait que, dans le fond, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire attention. C'est important, tout dépendant de la personne, mais le retour est important aussi avec le membre de l'entourage, tout dépendant de quelle forme de TCC on a. Mais cette fois-là, il y a eu comme une espèce de triangulation que la mère m'a appelée, elle n'était pas contente. Et puis, ben, c'était pas évidemment, je n'avais pas dit de prendre le double de Ah. joint durant la fin de semaine. Ah Voilà. non, évidemment, les mots transformés. Donc, garder, faire attention à ce qu'il dit, que ça soit clair et faire des retours. C'est très bien, tout à fait. L'intervenante qui dit d'augmenter la consommation. Tu donnais une permission, en fait. C'est Oui. ça. Karine a dit merci pour la réponse de tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous en sommes rendus à clore cette rencontre.
Vraiment, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était très, très intéressant. Puis, on aurait pu vous entendre parler tout l'avant-midi au complet sur le sujet et en discuter aussi. Je pense que ça touche plusieurs intervenants qui vivent ça avec certains usagers. Merci encore. Merci, ça fait plaisir.